Salut les gars, j'espère que vous allez très très bien. Everything was going well. No obligation. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Comme vous le voyez, je suis pas maquillée, je suis no make-up et non pas coiffée. Comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous faire un chit-chat make-up. C'est le genre de vidéo que je vous ai jamais fait sur ma chaîne. Donc ça me permet comme ça de me préparer en même temps que je puisse vous parler de certains sujets. Donc que vous voyez comment je maquille, parce que ça a été aussi quelque chose que vous m'avez beaucoup demandé. Vous allez voir que je me maquille très très simplement. Comme vous pouvez le voir aussi en ce moment, j'ai pas mal d'imperfections sur mon visage, et surtout sur cette zone T, voilà, où j'ai pas mal de boutons et j'essaye de les traiter comme il faut. Je me démaquille bien le visage et j'utilise que cette crème-ci en ce moment. C'est une crème Bioderma, c'est un soin lissant que je me mets avant de dormir et qui me fait pas mal disparaître les quelques défauts acnéiques que j'ai sur le visage. Ça fait plusieurs années que je l'ai, il est très efficace. Donc bah, je mets toujours une base. Celle-ci c'est un soin hydratant, celle-ci c'est la roche posée. J'ai mis en vente mes éclairages que j'ai actuellement. Donc ce sont celles avec les grosses ampoules et les parapluies, j'en ai deux. Il y a les trépieds, les ampoules qui sont intactes et quatre sortes de parapluies. Vous en avez deux noirs et deux blancs. Et donc ils sont quasi tout neufs, hein. j'ai toujours le carton de livraison, j'en ai toujours pris très très soin et ça va faire bien 2 ans que je les ai. Sauf que je les mets en vente puisque c'est beaucoup trop gros pour l'utilité que je vais en faire. Et oui, ça prend beaucoup trop de place. Je les mets en vente, si vous êtes intéressés, venez m'envoyer un message privé pour me racheter des éclairages qui sont beaucoup moins volumineux et toujours aussi de bonne qualité. Sinon, j'ai mis dans ma story il n'y a pas très longtemps comme quoi j'allais au concert de Dajou. C'est vraiment une souffrance de se voir de près. Hein. C'est celui-ci que j'utilise, c'est un de chez MAC que j'ai reçu. Puisque, nouvelle tente d'hiver. Hein. J'utilisais cet été, enfin printemps-été, et celui que j'utilise maintenant. On en a un petit peu, mais vraiment pour cacher rougeur. Parce qu'en fait, genre, je suis hyper rouge quand j'ai des. J'ai des imperfections. Du coup, je vais au concert de Dajou le 24 novembre à Clermont. Puisqu'en fait, j'avais vu Dajou déjà au printemps de Bourges. En fait, c'était Dajou et Bigflo et Oli. Mais Bigflo et Oli occupaient la plus grosse partie. Du coup, j'avais été plutôt déçue parce que moi, c'était plutôt Dajou que je voulais aller voir. Et Dajou a occupé vraiment que quelques chansons. Donc, vraiment, on avait adoré. Et du coup, quand on a vu qu'il repassait à Clermont, on a dit à sauter sur l'occasion. Donc j'y vais avec Vic, que vous connaissez, et Jade, que vous connaissez aussi. C'est pas mal, en fait, je ne m'attendais pas, mais j'ai reçu des messages d'abonnés qui me disaient si on te voit, est-ce qu'on peut venir te voir pour prendre des photos et tout. Parce qu'on n'a pas envie de te déranger avec tes amis, mais pas du tout en fait. Genre même Jade et Vic, ça les dérange, mais alors pas du tout, au contraire. Donc du coup, si vous me voyez, n'hésitez pas du tout. J'ai reçu des produits Sephora il n'y a pas très longtemps, j'ai reçu leur nouveauté. Donc j'ai reçu le masque avec les petits post-it pour cacher, par exemple vous avez un bouton, vous le mettez et ça agit. J'ai reçu aussi leur nouveau masque que vous faites vous-même. Alors en fait j'ai deux avis, donc c'est pour ça que je voulais vous en parler parce que je suis pas complètement satisfaite de ces produits Sephora, alors que pourtant de base j'adore Sephora. En fait les petits post-it c'est une très bonne idée. J'ai testé une fois donc je pourrais pas vous redire, mais surtout que là du coup j'ai beaucoup d'imperfections, du coup je pourrais pas les réutiliser d'ici là. Donc le masque à faire soi-même avec l'eau c'est pas terrible du tout, franchement j'ai galéré, c'est à faire qu'en une fois parce que sinon le produit sèche. Et donc du coup c'est pas du tout pratique. Moi j'ai adoré parce que déjà c'est un masque que vous arrachez comme ça. Donc c'était un masque au charbon. C'est un masque que vous arrachez comme ça et on voit qu'il enlève quand même pas mal d'impuretés. Il est pas mal mais après l'utilisation est pas terrible. Voilà, moi c'est juste ça que je peux lui reprocher. Donc j'ai reçu des produits, enfin des articles du site Rose Gall. Je vais pas vous en faire une vidéo puisque tout simplement j'ai bien aimé les articles. C'est un site chinois, j'ai bien aimé les articles mais je me vois pas vous faire une vidéo là-dessus puisque tout simplement il y a certaines qualités des articles qui sont pas du tout terribles. Faut trouver les bons articles, donc voilà ce que j'aurais pu vous dire sur Rose Gall. Là, je vais tester une poudre, donc c'est une poudre libre blanche que j'ai reçue de la marque You Are Powder. Et je voulais me racheter une poudre blanche donc ça tombe super bien. Ensuite, je sais pas si vous le savez ou pas, mais donc j'ai 17 ans et demi, je vais avoir 18 ans au mois de janvier
Et donc j'étais en conduite accompagnée, donc ça je vous en avais déjà parlé dans une vidéo. Quand vous êtes en conduite accompagnée, vous pouvez passer le permis à 17 ans et demi. En fait, je me suis complètement foirée aux questions qu'ils posent à la fin de l'entretien. Niveau conduite et manœuvre, j'ai très bien réussi. Il y a eu aucun problème, mais c'était niveau question et c'est ce qui m'a fait perdre des points, mais je l'ai quand même eu du coup. J'étais vraiment hyper contente. Du coup, j'ai mon permis, et mais il faut que j'attende de 18 ans maintenant pour pouvoir conduire seule. Point pub, parce que je fais très peu de pub et encore moins mes amis. Vic a ouvert un compte Insta, a ouvert un deuxième compte Insta, donc pour ceux qui la suivent, mais elle a ouvert un deuxième compte Insta de photographie. Donc elle fait des super belles photos et je vous invite du coup à aller voir son compte. Pour ceux qui me demandent, je recours bien mes cils. Hein. C'est un recours cils de chez Elite. J'ai depuis, un an. Il est pas mal du tout. Qui s'appelle Ren. Et franchement, je crois qu'il allait me tuer si j'allais pas faire cette pub dans cette vidéo. Vous aurez son compte Insta en barre d'infos. Et si vous voulez aller voir, etc., n'hésitez pas. C'est gratuit. C'est pour moi. Donc le mascara que j'applique, c'en est un de chez Clinique, et il est super bien, et c'en est un que je vous ai déjà parlé. Si jamais vous voulez aller suivre des nouvelles personnes, voir de nouvelles têtes sur Insta. Le week-end, j'essaye de m'organiser un max, mais du coup, j'ai pas tout le samedi pour réfléchir à une idée de vidéo. Donc du coup, n'hésitez pas à me proposer des idées du tout en commentaire, comme ça, je peux les noter direct, dès que je peux, je la réalise, quoi. Ensuite, je voulais aussi vous parler, en parlant de vidéo, de ma vidéo sur les converses et sur Balance Saga que je vous ai faite, parce que j'ai reçu énormément de commentaires, que ce soit négatifs, positifs, interrogatives là-dessus, et vu que les commentaires ont été désactivés sous cette vidéo, franchement c'est ouf comme il y a des personnes qui rejettent leur haine sur les réseaux sociaux, surtout quand ils y connaissent pas grand chose quoi. Je vais pas dire que moi je m'y connais encore mieux niveau sneakers, marque de luxe. Je sais faire la différence entre la contrefaçon, et c'est marqué sur leur site, et j'ai eu la confirmation des personnes qui sont en contact avec moi. Ce sont pas des certifiés par la marque, puisque sinon elles ne seront pas vendues à ce prix là. Et ce n'est pas des contrefaçons, ce n'est pas des personnes qui vont s'amuser à recréer des imitations de cette converse à l'égard de la marque du coup, et qui vont les revendre. Celles-ci sont bien été créées comme des converses, comme des vraies converses vendues par la marque Converse ou Off-White, sauf qu'elles n'ont pas été certifiées par la marque à cause d'un défaut ou quoi que ce soit, mais du coup elles sont récupérées et vendues moins cher. Et je comprends pas tout cet engouement autour de ça. Si ça vous intéresse pas, vous tracez votre route. Je demande à aucun moment de vous obliger à aller acheter une paire sur ce site. Je voulais aussi vous parler d'un truc avant que je termine cette vidéo. On va terminer sur une bonne note. Je suis en train de regarder une série en ce moment, les gars, que j'ai terminé d'ailleurs il n'y a pas longtemps. Mais justement, après avoir bouclé 4 saisons de séries intensives jour et nuit, regardez Murder. Regardez cette série. C'est une série qui est franchement pas très connue. Et d'ailleurs, je remercie une personne de me l'avoir fait découvrir. Parce que franchement... En fait, vous passez par toutes les émotions déjà dans cette série. Et vous creusez tellement la tête. Elle est tellement réfléchie. Et il y a tellement de mystères, tellement de recherches. Franchement, d'ailleurs, je remercie Baptiste de m'avoir passé son compte Netflix. Parce que je sais pas comment j'aurais fait sinon. Moi, j'ai terminé cette vidéo. Je vous fais des très très gros bisous. Et je vous dis à très très bientôt sur une prochaine vidéo. Ciao, ciao. I'd make a getaway on a chill out day, a coffee to take away.